L'association des hôtels de famille de Tahiti et ses îles a été créée en 2010. Avant cette association, il existait une fédération, Fédération Haere Mei, qui regroupait également des pensions de famille. Mais la fédération ayant un peu perdu ses activités, ne faisait plus trop grand-chose, nous avons voulu monter une nouvelle association. C'est l'association que je préside aujourd'hui. Alors l'association que je préside aujourd'hui existe sur 32 îles de la Polynésie. Il faut savoir qu'en Polynésie, nous avons 118 îles. Donc l'association est présente sur 32 îles. L'association regroupe 200 établissements, donc pensions de famille, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes, les meublés de tourisme, les locations saisonnières. Et bien sûr, le gros de notre activité, c'est le tourisme authentique. C'est le partage avec la population, c'est les activités avec la population, c'est la culture de l'île, ce sont les histoires, les légendes, etc. Alors bien sûr, avec déjà en Polynésie française, nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer, bien sûr, on améliore toujours. La population pour l'instant est partie prenante, mais il nous reste encore à améliorer ce côté justement relationnel avec toute la population, que la population soit partie prenante. Et je pense que dans les Outre-mer, ça devrait être la même chose, je pense, que le tourisme durable, qu'il y ait tous les acteurs, bien sûr, du pays, les acteurs institutionnels, mais bien et également la population, mais il ne faut pas oublier les touristes. Donc pour moi personnellement, c'est d'abord le respect de l'environnement et ce partage, que tout le monde se comprenne. Et chez nous on dit il y a le mana c'est cette force, c'est cette énergie, et quand le mana passe, eh bien, tout passe.